Des médecins qui défilent dans la rue, ce n'est pas un spectacle courant. Ils étaient pourtant plusieurs milliers cet après-midi à Paris, des Invalides à la gare Montparnasse. 20% des cabinets étaient par ailleurs fermés à Paris et près de la moitié en province. À l'origine de la grogne des médecins, le régime conventionnel. Vous connaissez le principe, chaque médecin s'engage à respecter les tarifs d'honoraires fixés par leur syndicat et par la sécurité sociale. Or, les médecins voudraient que ces honoraires soient renégociés, dans le sens de la hausse bien sûr, mais le ministre de la Santé ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que ce qui inquiète les médecins, c'est d'assister à cette démographie galopante dans leur profession, dans laquelle ils ont conscience qu'ils vont être beaucoup plus nombreux d'ici quelques années et qu'ils peuvent craindre dans ces conditions que la concurrence soit difficile, que certains soient amenés à exercer selon des modes d'activité qui ne soient pas aussi satisfaisants que maintenant et surtout que, compte tenu de l'impact que l'acte médical a sur la sécurité sociale, les pouvoirs publics soient amenés à prendre certaines mesures, non pas du tout de nationalisation, mais simplement de restriction du pouvoir d'achat, car s'il y a le double de médecins qui sont en activité d'ici quelques années, est-ce que la sécurité sociale pourra supporter le double d'actes ?